Salut à toutes et à tous, c'est Kiki Gaming Fighter. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Pour une toute nouvelle information. Donc, oui, pour une fois, je sais assez vite. Contrairement au dernier DLC, que je m'excuse d'ailleurs de ne pas avoir pu faire de vidéo. Donc là, l'événement Halloween est sorti. Et normalement va rester 15 jours. Ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est ce qui avait été annoncé. Donc on va commencer par les véhicules. Alors, sur Southern San Andreas, nous avons la Sanctus qui est sorti à 1 995 000. Donc entre nous, on s'est compris, hein. À tester dans une prochaine vidéo, je pense. Elle est stylée, hein, mais le prix reste voilà, élevé, on va dire. En Legendary Motorsport, nous avons, comme les années précédentes, la Roosevelt. Donc je crois que c'est du DLC. Et en véhicule, apparemment, c'est tout. Ouais, dites-moi si si je me trompe. Donc juste regarder moto boulot, ok. Là-dedans, je crois pas qu'il y en ait des nouveaux. Donc vous avez vu, comme c'est 3 ans, ils ont remis tous les véhicules des DLC. Donc de l'Independence Day, etc. Non, apparemment un véhicule, ça a l'air d'être tout. Alors, est-ce qu'ils nous prévoient autre chose pour Halloween? Enfin, par la suite d'Halloween? Non, je crois que celle-là, elle est... Je sais pas si elle est déjà bon ou pas. Apparemment, oui. Saint-Valentin. Ah non, ils nous l'ont rajouté aussi. Donc, un véhicule pour l'instant, c'est tout. Alors, pourquoi je dis pour l'instant? Tout simplement parce que je pense... Ils vont peut-être en rajouter d'après moi par la suite de l'événement. Enfin, ça, ce sera à vérifier. C'est-à-dire le jour même d'Halloween, ça se trouve. Maintenant, on va aller se diriger au masque pour voir s'il y en a. Normalement, je pense qu'il y en a. Encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente, si vous voulez vous connecter, enfin si vous avez la Xbox One, n'hésitez pas à m'ajouter. On pourrait se marrer sur Halloween, ça pourrait être sympa. Donc là, on va aller en direction des masques. En espérant qu'il y en ait. Bon, je pense quand même. Donc oui, ce que je découvre, hein, j'ai pas été voir avant, à part les véhicules, vite fait, voir les prix, si j'allais les acheter ou pas. Alors, en masque, qu'est-ce qu'on a? Animaux. Donc ça, non, c'est pas nouveau. Personnage, c'est pas nouveau. Intimidation. Ah, ça, je sais pas aussi. Monstre. Oh. Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Parce que je sais pas. Non. Tactique Saint-Valentin. Oh, on n'a pas de. Ah, c'est dommage. On n'a pas de masque. Alors, comme je dis, à mon avis, ils les mettent pas dès le début. C'est pour ça. Parce qu'il faut penser quand même qu'on n'est pas à... on n'est pas encore Halloween. Ça approche, mais on n'y est pas encore. Ok, donc c'est le moteur. D'accord. Donc Ah si, voilà, je me disais aussi. Donc, voilà. Les masques. Donc là, j'ai même plusieurs couleurs. Ok, ils sont sympas.
Ça va, ça va. Bon, comme tout, il y en a par quelques-uns. Ok, ça, c'est des nouveaux. Des activités. Loup-garou. Aussi. Alors, 20 000 et un masque, par contre. Stylé. La citrouille, franchement, stylé. Oh, il en a pas mal en plus. Par contre, 10 000 minimum pour un masque. Entre nous, voilà quoi. Donc là, c'est tout. Ouais. Franchement, s'il y en a un que j'achète, ce serait peut-être comme ça. Après, je vais voir par la suite parce que 26 000 quand même pour un masque, on se comprend. Donc on va se diriger pour voir les vêtements. Et moi je vais couper ça. Donc je vous dis à de suite. Donc re tout le monde, là on se retrouve devant le magasin Suburban. Enfin je me rappelle plus trop comment on le dit. Alors on va voir s'il y a des tenues. Standard. Ouais. Il y en a des nouvelles. À moins que je les aviez pas vues. Business. Chic. Costume viral. Ils n'ont pas rajouté d'Halloween. Ah mince. Oh, c'est dommage. Ah, c'est peut-être là. Ah non, même pas. Là, je suis déçu par contre. Moi, je m'attendais à pouvoir mettre des déguisements, un truc comme ça. D'accord, donc en fait, on peut pas mettre. Ça, par contre, c'est dommage. On n'a pas de déguisement. Donc, ce qu'on va faire, je vais couper une dernière fois. Et je vais vous retrouver à l'Elimination, voir s'il y a des nouvelles armes à de suite. Donc les gens, on se retrouve une dernière fois devant l'Elimination, en espérant forcément qu'ils aient rajouté des armes. Malheureusement, ils n'en ont pas rajouté. Bon oh bah voilà, on a fait le tour de ce petit DLC. Entre nous en espérant qu'ils vont rajouter des choses. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.